Ça va? Tu vas et toi? Bah voilà, toujours à la bourre lui hein. Ouais. Forcé, ça va? Ouais, tranquille. Ça va? Ouais, toi? Ouais. Et t'as dû encore faire le mur? T'inquiète, quand t'auras 18 ans, ça passera mieux hein. C'est bon, arrête de le charrier. Et toi alors, ton énième entretien? Pff, c'est ok, ça m'agresse direct. Bon, quand on a fini de se clasher, on fait quoi? On bouge? Ouais? Bon bah go! Et sinon, Jérém, ça avance ton projet? Oh mec, j'ai zéro idée là, je rame, aucune inspiration. Mais t'as toujours pas commencé à écrire? Et si t'as besoin d'un acteur beau gosse, hein, je suis là. Hein. Non mais, j'ai déjà pas mon scénario, me demande pas si j'ai les acteurs. Oh mais sinon, il fait hyper chaud, vous voulez pas qu'on trouve un endroit pour se poser? Ouais, ouais grave. Ouais, c'est le gars de la grosse baraque. Mais c'est qui ce mec en fait? Bah en fait on sait pas, personne sait qui il est, et puis en même temps il sort jamais. Bah vu la baraque, normal qu'il ait pas envie. Mmh. Bon de toute façon il est trop space le gars. Hein. Ouais. Oh vous avez vu la piscine? Oh, ouais. Ah ouais il a une piscine aussi grande pour lui tout seul le gars là. Bah viens Jérém non? Non mais vous faites quoi là? Revenez? Mais non, viens! Mais non, revenez! Oh oh! Mais t'as pas dit que t'allais chez Evelyne? Ouais, si! Non, non, n'y pensez même pas! Mais revenez! Mais non, mais vas-y, viens! T'as pas fait mieux pour rien quand même! Purée, les gars, on va se faire choper à squatter chez lui comme ça là! Arrête tes conneries, y'a qu'à la salle que je squatte moi, tu fais quoi? Purée, voilà, avec votre discrétion, forcément on va se faire choper! Mais discret de quoi? Mais y a pas de voisin, tout le monde s'en fiche, lui, allez, viens là! Allez! Non, c'est mort. Bah allez, ce café, quoi. Fais ce que tu veux. Hein. Attendez-moi, les gars. Ah bah voilà, mon pote. Bon, les gars, dernier allô, tu payes le ciné. De toute façon, t'as pas d'argent. Allez, viens, ça va te rafraîchir. Bah, allez, viens! Bon, d'abdos dans ton film. Ah ouais, j'ai envie si tu veux. D'accord. Ah trop bien. Mais je pense que pour être sûr d'avoir une bonne vidéo, tu vas sauter. Tu sais? À la menthe? Religieuse? Couvent? Ventilateur?
je t'appelle Fanny. Oh, tu devineras jamais. J'étais avec les gars, Steve et Jérém, et en fait, on était en train de se balader dans la rue, et là, on a vu une maison avec une piscine, et on s'est dit, oh, viens, on entre. Jérém et Steve, venez voir. J'ai ouvert la porte sans me faire exprès. Qu'est-ce que t'as fait, t'as Rico? Je me suis appuyé dessus et elle s'est ouverte. Mais merde. J'ai oublié de fermer les yeux. Mais tu fais quoi? Tu vas où? Pff, insupportable. Bon bah, c'est du bas, hein. Mais... On a pas le droit d'être là. En fait, c'est un petit bourge le GG là. Eh ben, ouais, c'est bizarre ce qu'il a ici. Hein. Ouais, c'est un vieux. Ouais, c'est un vieux quoi. Non, mais les gars, ça c'est pas. Hein. Tranquille, de toute façon, il est pas là. Hein. Puis, elle est pas belle la vie un peu. Regarde ça. Un solitaire. Ah, des photos. Il était beau gosse le vieux. Des cartes postales. Waouh, elles sont hyper vieilles, t'as vu? Carrément. On va faire un tour dans la cuisine. Oh, il y a un frigo, ça m'intéresse. Oh, il y a du lait. Ah, c'est pas bon. T'as trouvé quoi? Les photos, regarde. Tu penses c'est qui elle? Sa femme? Je sais pas. Ouais. C'est peut-être lui. Oh, regardez les gars, il y a des post-it partout. T'as même le frigo. Ne pas oublier de fermer. Oh, il y a même allumé éteindre. Et sérieux? Laver le dentier, eau froide, eau chaude. Mais il est fou ce mec. Et tu fais quoi, Emile? Je regarde les photos. Oh, t'as vu la fille là? Elle est trop bonne. Vas-y, on fait voir. Va? Vas-y, fais voir. Non mais... Steve! T'es mort. Putain, mais voilà. T'es content, t'as eu ce que tu voulais? Non, non, attends, déjà, c'est vous me foutez la pression depuis tout à l'heure, y'a rien. D'accord? Il est pas là, le vieux. Mais t'es irresponsable! Non, mais sinon, on parle pas de s'énerver non plus, c'est pas malin. Ah ouais, moi, je suis responsable. Tu l'encourages? Mais moi, je suis responsable. Mais je suis pas sa mère non plus. Au vocal 2. Appelez la fille du 17 pour récupérer la collection de timbres de Louis XVI. Mémo vocal 3. Ne pas oublier avant de partir le passeport dans la poche gauche de la veste noire sur le bureau. Ah, il soquait carrément. Mais attends, je vais vérifier quand même quelque chose. Est-ce que vous avez bien dit qu'il était en vacances? Mais attendez, mais il est où alors? Non mais sérieusement, c'est pas normal hein. Thank you.